Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un bookshelf tour, mais c'est pas un bookshelf tour classique, c'est un bookshelf tour de ma pile à lire. Comme vous le savez, je garde très peu de livres, donc le bookshelf tour de ma bibliothèque ne serait pas très intéressant pour l'instant. Donc derrière moi, vous avez une toute petite partie de ma pile à lire et aussi les livres que j'ai mis de côté pour les vendre. Donc voilà. Je vais donc vous la présenter livre par livre. Ça sera long et fastidieux, mais je pense que ça pourra vous faire plaisir et vous donner quelques idées de lecture. Donc, on est parti. Queen Betsy, tome 5, Vampire et Cassé de Marie-Janice Davidson. Si seulement de Nicolas Doherty. Une collection de trésors minuscules de Caroline Vermeil. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling. Enclave, tome 1 de Anne Aguirre. Caleb, tome 2 de Mehra El-Joundir. Partial, tome 3 de Dan Wells. La gifle de Christos Tsiolkas. Une saison à Fool's God, tome 8, je crois, au premier jour de l'été de Suzanne Mallery. Journal d'été d'un ado déjanté de Katia Lasson. La rose blanche. Donc le joyau tome 2 de Amy Ewing. 1984 de George Orwell. Blackberry Island tome 1 de Suzanne Mallery. Tim Burton. Animal tome 1 de Victor Dixon. Girl Online en tournée de Zoé Seug. Le livre de Baltimore de Joël Dicker. Adore-moi tome 2 de Lisa Swan. Kiss Me If You Can de Emma Green et Felicity Stuart. Jeu interdit de Emma Green. Prête à tout de Chloé Wilcox. Kidnappe-moi de Lynn Evans. Dark Fever de Lisa Swan. Mon milliardaire, mon mariage et moi de Nina Shepherd. Conquise de Ali Condy. Un site nommé Désir de Lou Borgia. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Shelter Bay, tome 1 de Joanne Ross. Pars loin de moi de Jessica Sorensen. Tous ces désirs d'Olivia Dean. Les 100 tomes 2 de Cass Morgan. Un passé gênant d'Isabelle Larocque. Quatre grâces de Patricia Gaffney. Charlie Davidson tome 1 de Darinda Jones. How to Love de Cathy Continuo. Je ne sais plus pourquoi je t'aime de Gabrielle Zevin. Les frères du Montana de Linda Lyle Miller. Petit miracle à Noël de Kate Stockham. Arbor House Café tome 1 de Christina Skye. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée de Laura Tahi et Jimmy Rice. Souvenir d'une vampire, tome 2 de Morgan Rice. Love Letter to the Dead de Ava Dolera. Torse 14 de Cillian Edgar et Paul Byrne. Soyons fous de Lisa Plumet. Un avion sans ailes de Michel Bussy. L'ex de mes rêves de Carole Matthews. Les fragmentés, tome 1 de Neil Schusterman. Recover, tome 1 d'Anna Zabou. Endgame, tome 1 de James Frey et Nils Jensen Shelton. Red Rising, tome 1 de Pierce Brown. La pire mission de ma vie, tome 1 de Robin Benway. L'héritière de Melinda Salisbury. Rebelle Belle de Rachel Hawkins. Le livre de légende, tome 1 de Shannon Hale. Wilt, tome 1 de Tom Sharp. Humaine de Rebecca Meisel. The Lying Game, tome 1 de Sarah Shepard. Les fiancés de l'hiver, tome 1 de Christelle Dabouze. Irrésistible à chimie de Simone Kelles. FMR de Lauren DiStefano. Le pays des contes, tome 1 de Chris Colfer. Thrill, tome 1 de Amanda Hawking. Chicago Stars, tome 1 de Susan Elizabeth Phillips. Merci pour ce moment de Valérie Trierweiler. KGI, tome 1 de Maya Banks. La Déclaration, tome 1 de Gemma Mallet. Les Séparés de Ketevan Davrichewi. Hot, tome 1 de Lassie Alexander. Alchimie de Bess Fantasque. Les Fun Bonnes Questions de Lemony Snicket, tome 1. Club des Ex de Dakota Cassidy, tome 1. Le Secret de l'Inventeur, tome 1 de Andrea Kramer. Les Chroniques de Bella Vista, tome 1 de Susan Wiggs. Cœur insoumis de Kathleen O'Brien.
Destin croisé à Espérance de Rehan Thayne. Le rêve de Lila. Une saison à Crescent Cove de Christy Railway. La dernière lettre de son amant de Jojo Moyes. King's Game tome 1 de Nobuaki Kanazawa. Le monde de Charlie de Stephen Chbosky. Missy Valentine de Heather Weber. Métro Boulot Pario de Nicolas Doherty. Jusqu'à toi, tome 1 de J.L. Mack. Baby Boom de Wendy Holden. Mystic City, tome 1 de Theo Lawrence. Les Radley de Matt Haig. Toqué de toi de Louisa Edwards. Mes nuits enchantées à Manhattan de Joe Lee. 36 voluptés de Joe Lee. Supernova de Emma Domas. Attrape-moi si tu l'oses de Nathalie Anderson. Une rose et un balai de Michel Simonet. De Michaela Murie alias Le Livre Ouvert. Fringue de Christine Orban. Les Insoumis de Alexandra Bracken. Garde du corps et quiproquo de Jilin alias Jennifer L. Armentrout. Un mariage presque parfait de Adele Parks. Le premier amour de Véronique Olmy. Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis. La princesse qui croyait au conte de fées. Les éditions Viven, Marcia Grard, voilà. Alice au pays des trop vieilles de Christina Alonso. Paradise de Simone Ankeles. Bridget de Paige Harbison. Journal de Los Angeles de Violette Fontaine. La dose de Melvin Burgess. Wings de Apriline Pike. Il faut sauver Zoé de Alison Noël. Avec Un peu d'amour et beaucoup de chocolat, L'attentat de Christian Grenier. Un heureux événement de Elliot Abécassis. Manhattan Girls de Joanne Philbin. Tout finit par un baiser de Kate Clise. L'appel du coucou de J.K. Rowling. Des vents contraires d'Olivier Adam. La véritable histoire de Noël de Marco Leno. Des millions de secrets inavoués de C.L. Parker. L'amour et tout ce qui va avec de Kristen Higgins. L'école des mauvais méchants, tome 1 de Stephanie S. Sanders. Profil de Jay Asher et Caroline McClure. Evernight de Claudia Gray. Un oiseau dans le blizzard de Laura Kasichke. Saga des Trévis, tome 1 de Lisa Klepas. La terrifiante histoire d'Ansel et Gretel de Adam Kitwitz. Gallagher Academy, tome 1 de Ali Carter. Que la meilleure gagne de Lizzie Young. Conseil d'amis à la clientèle de Anna Sam. Je ne sais pas comment elle fait de Alison Pearson. La gueule du loup de Marion Brunet. Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spielman. Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu. Parce que c'était nous de Mairie McFarlane. The Affair tome 1 de Stacy Lynn. Free Fall de Léa Rieder. Reborn tome 1 de Rachel Van Dyken. L'héritage d'un creed de Linda Lyle Miller. Risk de Fleur Ferris. Like Me de Thomas Fable. Complice de Erin Corrigan. Les aventures d'Aliette Lenoir, tome 1 de Cecilia Correa. Bertrand et Lola de Angélique Barbera. First Love de James Patterson et Emily Raymond. Rock Me de Anna Wayne. Toute résistance est inutile de Cora Carmack. Juste avant le bonheur d'Agnès Ladig. La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. Près de moi de Courtney Cole. Love Game tome 4 de Emma Chase. Graines de Top Model de Carol Alt. Amour et autres enchantements de Sarah A. Allen. L'inconnu aux yeux de braise de Holly Jacobs. En sous contrat de Suzanne Mallery. Lune de miel et gueule de bois de Jane Graves. Trois secrets de Randy Suzanne Meyers. Carrément sexy de Erin McCarthy. Hell de Lolita Peel. La nuit dernière de Ruddy Knox. Nos cœurs enlacés de Tracy McLaughlin. Le meilleur des pères de Chris Fletcher. Là où se cache l'amour de Cynthia Reese. Passion trahie de Darlene Gardner.
Une surprise d'anniversaire de Candy Hallyday. Une nuit à New York de Rachel Cohn et David Levithan. À un fil de Rainbow Rowell. La vie secrète d'une mère indigne de Fiona Neal. J'adore New York de Lindsay Kelk. Seconde chance de Joanne Kilby. Qui es-tu Alaska de John Green. La vie commence à 20h10 de Thomas Raphael. Bal de givre à New York de Fabrice Collin. Wild de Cheryl Strayed. Boys Out de Raya Arum. Flocon d'amour de John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle. Alors, Good Morning Miss Mandela de Zelda LaGrange. Comme des images de Clémentine Beauvais. Hate List de Jennifer Brown. Kiss in the Dark de Kate Clark. La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. La confusion des sentiments de Stefan Zweig. Le cœur régulier de Olivier Adam. Pour l'amour d'Alice de Sarah Maybury. La plus belle des leçons de Tracy Keller. Aux délices des anges de Cathy Cassidy. Si loin de toi de Tessa Sharp. Nous sommes Charlie par 60 écrivains. Cœur trouvé aux objets perdus de Francine Ruel. La fille de ma meilleure amie et de Dorothy Thompson. God Save la France de Stephen Clark. Sexe et dépendance de Stephen McCauley. 31 Songs de Nick Hornby. Avalon High de Meg Cabot. Le journal intime de Georgia Nicholson de Louise Renison. Presque top modèle de Géraldine Maillet. L'amour comme par hasard de Eva Rice. Simple vengeance de Olivia Goldsmith. Haute fidélité de Nick Hornby. Sexy Girls, tome 2 de Jessica Dahl. De Victoria Dahl, pardon. Prémisse de Sophie Jourdan. Plus loin de toi de Robin York. Mariage sur mesure de Cindy Madsen. Keep Calm and Love Me de Catherine Kalangula. Dirty Loft de Angie L. Derricker. Fix on You, tome 1 de Laureline Page. Je croyais qu'il suffisait de t'aimer de Jack Salomé. Pourquoi pas de David Nichols. Nouvellevie.com de Jenna Ricks. Cœur d'encre de Cornelia Fonquet. Les talons rapprochent les filles du ciel d'Olivier Gay. Vague de chaleur de Richard Cassel. En finir avec Monica de Candace Bushnell. Il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver. Zodiac de Romina Russell. L'élu de Loïs Lori. Vous entendez ma fille, hein, je suis désolée. Le cercle littéraire des épluchures de patates de Marianne Schaeffer et Annie Barrows. Les étoiles de noces tome 4 de Sophie Jourdan. Rock Chic, tome 1 de Kristen Ashley. Là-haut, vous trouvez encore mes comics et toutes les suites en fait, de livres que j'ai là. Mais je ne vais pas vous les montrer parce que ça fait déjà beaucoup. La vidéo est déjà bien assez longue. Dans ma pile à lire, j'ai environ 250 livres. Donc du coup, je pense que vous avez vu un ensemble de livres que j'ai. Il y a un certain nombre de livres probablement que je ne lirai jamais, je ne sais pas exactement trop comment vont aller les choses. En tout cas, en une année, c'est clair que là, j'arrive jamais à finir tout ça. Donc idéalement, ce serait bien que j'achète plus de livres, mais c'est plus possible parce que j'adore ça et que je lis quand même pas mal de choses récentes finalement. Il y a des choses qui sont là depuis au moins 3 ans, certains trucs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous voulez faire aussi des